La mobilité, elle prend place dans la vie quotidienne des Français en 1950. Et dès ce moment, c'est quelque chose de très difficile. Ça coûte très cher aux ménages, ça les fatigue, ça les désorganise. Et c'est pour ça d'ailleurs que les employeurs, les responsables politiques, les intellectuels divers et variés, dès les années 60 et 70, font de la mobilité un sujet de protestation, de revendication, puis un sujet d'analyse critique. Mais sur cette période, les Français vivent dans une société de plein emploi et l'État-providence, qui tourne avec des taux de croissance de l'ordre de 3, 4, 5, 6% annuels, a les moyens d'être très généreux. Et donc l'équation est difficile, mais gagnante. Mobilité difficile, mais très largement récompensée. Avec l'entrée dans les années 80, évidemment, la situation va être beaucoup, beaucoup moins favorable. Non seulement les territoires se compliquent, les distances s'allongent beaucoup pour toutes les catégories d'actifs, d'une part, mais d'autre part, le marché de l'emploi se précarise, se fragilise, les taux de chômage grimpent. On n'est plus dans le plein emploi, mais on est sur des taux de chômage très importants pour certaines sous-catégories de population. Et puis, le plus difficile de tout, c'est que l'État-providence n'a plus les moyens d'aider, d'encourager, d'accompagner les Français dans leur fonctionnement de vie quotidienne. Donc ces Français se retrouvent en quelque sorte abandonnés sur des déplacements très longs, très compliqués, et dont ils vont devoir assumer tout seuls les coûts sans aucune contrepartie. On en est là aujourd'hui. Quand on regarde un petit peu ce qu'on pourrait dire une stratification de la société mobile, on voit clairement trois populations. La première, c'est celle des métropolitains, 20% à peu près des Français, on va dire les cadres, d'une manière très simplifiée, sont des gens qui vivent dans les cœurs de métropole et qui passent très facilement d'une métropole à l'autre en utilisant, sans compter, sans inquiétude, le train, la voiture, l'avion, tous ces modes de déplacement qui sont aujourd'hui très très cher. Deuxième population, celle des navetteurs, on va dire 50% à peu près de la population, et puis de la population active, des gens qui vivent à l'échelle de l'agglomération dans laquelle ils vivent. Ils en sortent, mais pas très très souvent, et surtout leur mobilité quotidienne est dévolue à la voiture qui prend la quasi-totalité de leur déplacement. Et puis une troisième population, on va dire celles qui se retrouvent en situation compliquée sur le marché du travail et en même temps en situation compliquée sur les pratiques de déplacement, sont les insulaires. Je les appelle comme ça pour dire que ce sont des gens qui vivent un petit peu prisonniers d'une île. Alors l'île, elle peut se retrouver soit dans le périurbain, soit dans le rural, bien sûr, soit même dans le cœur de grandes villes comme Paris ou Lyon. Sont des gens qui rencontrent tout un ensemble de difficultés, des difficultés financières, mais aussi des difficultés d'apprentissage, de la mobilité, de maîtrise de la langue française, de maîtrise de la lecture, mais encore tout un ensemble de stigmatisations pour des gens issus de l'immigration. Voilà, là on a des gens qui aujourd'hui sont en grande difficulté, destinataires de tout un ensemble d'innovations depuis une vingtaine d'années, mais il reste beaucoup à faire. Alors l'apprentissage de la mobilité, d'abord, il faut s'y lancer parce que rien n'existe. Alors on peut imaginer plusieurs choses, notamment une première, on peut imaginer que le permis de conduire la voiture, en fait, devienne un permis d'apprentissage des mobilités. Apprendre à faire du vélo, apprendre le covoiturage, apprendre le train, apprendre un peu quelques rudiments de développement durable, première chose. Deuxième chose importante, on pourrait mettre au point des dispositifs d'apprentissage qu'on diffuserait dans le milieu scolaire. Et puis au moins et surtout, on pourrait commencer par là, dans tous ces centres de formation pour jeunes et pour adultes qui, type AFPA, centre de formation des apprentis, mais aussi les BTS et IUT de l'université, dans lesquels les gens apprennent des métiers sans savoir forcément très très bien comment ils vont se déplacer sur les territoires pour aller jusqu'aux offres d'emploi et puis ensuite pour tenir leur place
dans l'emploi. Donc là, il y a des choses à faire. Comment est-ce qu'on peut comprendre des plans de ville, des plans de réseau? Comment est-ce qu'on peut utiliser des applis, des sites Internet? Comment est-ce qu'on peut utiliser toutes les machines du transport, les distributeurs automatiques de titres, les valideurs, etc., etc. Comment est-ce qu'on peut utiliser un téléphone, un smartphone pour profiter de ces fonctionnalités? Comment est-ce qu'on peut mettre en place des systèmes de covoiturage avec ses voisins? Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses à faire sur ce plan. Et puis, troisième chose, peut-être pour finir, il faudrait pouvoir mobiliser les gens sur des solutions alternatives à la voiture, telles le covoiturage, qui peine énormément aujourd'hui à sortir la tête de l'eau. On en est là, en fait, il n'y a pas forcément beaucoup plus nulle part, alors que c'est à 15 ans la seule solution viable qui va permettre de mettre en place des solutions alternatives. Donc, il faut mobiliser les gens, il faut expliquer, il faut leur apprendre que c'est intéressant.